Bien le bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur ce qui aurait dû être la première vidéo publiée sur cette chaîne. C'est pas celle-là, normalement. Ça, je pense que vous avez compris. Alors, ça fait 2 semaines que je travaille sur ma première série de vidéos, quoi, la première série en gameplay. Sur Going Medieval. Et cette nuit devait être publiée, importée, la première vidéo de la série. Après 2 semaines de travail dessus, à peu près, parce que j'ai eu du mal quand même à me décider à la mettre en. À déjà, pas à la mettre en ligne, mais déjà me décider à la faire. Beaucoup de boulot et pas spécialement l'envie d'arrêter de travailler pour essayer d'avoir quelque chose de bien. Bon, c'était une grosse merde. Hein. Ça l'est toujours. Je l'ai toujours sur mon ordinateur. C'est vraiment une vidéo de merde. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Et peut-être qu'un jour, je la mettrai dans sa version brute comme je l'ai là. Alors, pour revenir à ce que je veux dire, j'ai eu quelques difficultés avec cette vidéo. Savais-tu, mon ami, que quand tu veux pour la première fois publier une vidéo, eh ben, tu as une durée limitée pour cette vidéo. Je ne savais pas que je ne pouvais pas faire plus de 15 minutes. La vidéo en question faisait 40 minutes, donc 25 minutes dans le vent, ça fait quand même beaucoup. Et 6 heures d'importation pour arriver sur la page en te disant non. Hein? Importation refusée parce que trop grosse, quoi, trop longue à l'occurrence. Eh ben, ça fait mal. Ça fait mal quand tu penses tout le travail qu'il y a derrière et que tu te retrouves comme un imbécile parce que tu n'as pas vérifié avant. Alors, je vais juste te dire que oui, j'aurais dû vérifier avant. Et j'aurais dû, comment dire, faire valider mon compte. Avec la validation de ton compte, qui est un truc extrêmement simple, tu vas sur le support Google, YouTube, validation de compte, et ça le fait en quelques secondes. J'ai perdu quasiment 2 semaines de travail pour quelques secondes que je n'ai pas utilisées pour débloquer un élément sur ma chaîne. Alors, tu vas sur ta validation de compte, tu envoies ton numéro de téléphone par ton ordinateur et ton téléphone reçoit un joli compte de validation que tu vas re-rentrer dans l'ordinateur. Et là, magie, ton compte est validé. Alors, ça fait quand même depuis 2015 que je suis sur YouTube. Que j'ai mon compte YouTube et je ne le savais pas du tout. Hein. Je pense même que, à part les YouTubeurs ou ceux qui ont déjà décidé de mettre quelque chose en ligne, il n'y a pas grand monde qui le sait, ça. Donc maintenant, je le sais. J'aurai l'air moins bête la prochaine fois. Heureusement que je travaille tout seul et que je suis toujours tout seul. Donc la validation de ton compte, ben, t'apporte beaucoup, énormément de choses. Donc, tu peux passer au-dessus des 15 minutes, mais dans la limite des 20 gigas. Des 20 gigas de vidéo. Quoi, ta vidéo peut faire au maximum 20 gigas. Ou 12 heures maximum. Suivant une autre source que je te montrerai. D'ailleurs, je vais te la montrer. Je vais tout te montrer. Quoi, tout ce qui.
et en rapport avec mon propos actuel, bien entendu. Donc, tu as le droit de mettre plus de 15 minutes avec la limite des 12 heures et des 20 gigas. Tu peux ajouter ta petite miniature personnalisée. C'est les trucs que tu vois quand tu rentres ton YouTube, il y en a certains qui mettent leur petite vidéo. Alors là, ça aussi, c'est 2 mégas maxi, 2 mégaoctets maxi qu'ils exigent quand je vois qu'il y en a qui ont des vidéos directement. Oui, ils doivent être premium, des trucs comme ça. Tu peux faire des diffusions directes, hein, du stream sur YouTube. Alors moi, avec ma communauté phénoménale de personnes, eh ben, je vais être bien seul sur une diffusion en direct. Mais bon, ça peut être intéressant à terme. Et tu peux faire des revendications content ID. En fait, je pense que c'est quand tu te fais claim une vidéo ou un truc comme ça, quand tu te fais bloquer. Tu as le droit de revendiquer le fait que tu as le droit de mettre ta vidéo. Bon, après, maintenant, avec tout ce que YouTube fait actuellement, je ne me lance peut-être pas spécialement au bon moment dans le YouTube game. Voilà. Ça, c'est notre histoire. Alors, donc tu as ça, c'est magique, tu as tout débloqué. Mais après, bah, tu te retrouves avec quand même la vidéo. Bah, moi, ça m'a dégoûté de la mettre. Je la remettrai peut-être, je la mettrai peut-être, ou peut-être pas, ou je la referai. Mais comme je t'ai dit, c'était une grosse merde. Donc, on verra bien. Alors, j'ai en profité pour te faire juste un petit point également sur ce que je veux faire de ma chaîne. Hein. Si t'as pas regardé l'à propos de ma chaîne. Eh ben non. Je vais te laisser travailler un peu et t'iras voir. Mais. Je peux déjà te dire que je prépare, quoi. Je vais pas tarder à commencer à préparer une grosse vidéo sur. Attention, grosse vidéo, je m'entends. C'est à mon niveau, hein, bien entendu. Sur Isaac Asimov. Tu vas faire tes recherches et tu vas voir qui est ce grand monsieur. Voilà. Donc je te remercie de ton écoute et je te dis à plus tard sur une vraie vidéo. Bisous.